mes amis, c'est JT Dream, j'espère que vous allez bien. Et j'avais envie de vous faire un petit cadeau, j'avais dit que je n'en ferais pas cette année pour cause de manque de temps. Et bien, finalement, j'ai pu retrouver le temps pour vous faire ce que vous vouliez, entre guillemets, parce que j'ai eu des demandes pour ça. M'avait demandé, je dis, est-ce que tu comptes refaire ça? J'avais bien aimé, il faudrait que tu refasses ça. Donc voilà, j'ai accédé à votre demande, et puis parce que pour moi c'est très marrant de le faire, et sans maman Noël d'ailleurs que je vous retrouve pour vous annoncer la bonne nouvelle, que bien voici les amis, voici un petit best-of des meilleurs moments de TerraCube du mois. Peut-être que je mettrai d'autres mini-jeux, là j'ai pas encore commencé le montage ni rien, donc d'autres moments forts dans Minecraft. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et bon visionnage. Bonjour les amis, c'est JT Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un deuxième épisode de TerraCube. Et nous avons un voyeur sur ce serveur qui fait des choses. Hé, ma vitre! Hooligan! Ma maison! Ramène ta gueule! Viens là toi! Viens là gueule! Ah bah voilà, il y a un squad, il va s'en charger. Viens là toi! Je vais te looter! Je vais te looter! Ouais, tu sais quoi? Ouais, c'est ça, casse-toi, va! Allez, va looter ta mère! Ta mère, oh, ta mère, elle est... Oh, tu arrêtes, toi, tu te calmes! Oh, tu te calmes! Tu te calmes! Tu te calmes! Tu te calmes! Pardon. Attends, il y a quelqu'un chez moi! C'est Glenn. Putain, mais alors lui... Oui, je... Attends, je sais pas, je regarde... Non, il y est pas parce que je vois sur la minimap. Il y avait quelqu'un non plus, il y avait quelqu'un, il y avait un deuxième point bleu. Oh là là, il devient paralysé. Ouais, aussi, ouais, 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 il est en lapin là, hé hey. C'était peut-être moi. Ah non, il y a un libellule. Attends, non. T'as peut-être bien raison. J'ai raison. Regarde, on le voit là. Où est-ce qu'il est, ce con? Il est en libellule. Il est en dessous. Chichki. Il a l'étage, Titi, il a l'étage dans les chambres. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les chambres! Leslie s'est barré. Donc voilà, il y a de la débauche sur ce serveur, mes amis. Il y a de la débauche! Il est où? Il est à l'étage, il faut que tu montes à l'étage. Non, Leslie s'est barré. Oh merde, il y a de la fight. Qui m'a loué? Tu vois, il a un poil. Il va montrer sa nouille à ton enfant. Elle l'a dans les mains, c'est bon. Quoi, la nouille ou l'enfant? Attends, gosse qui se barre. Attends, gosse qui se barre. Petit. Hey, attends, je vais t'aider à l'attraper. C'est bon, je l'ai. Voilà. Et puis Aglaine à côté, j'ai peur là. Je peux être son para. Oh, il a pas l'air content. Non, il est mauvais. Ouais. Attends, tu lui mets ta nouille dans l'oreille. Dans l'oreille. Ah, c'est ça que j'ai mal à l'oreille en fait, Glenn. Vous êtes pas doué, Glenn qui est en ré. Ah merde. Et Glenn, on voit ta ré. Tu peux venir commenter ça sur la gueule s'il vous plaît, parce que t'as vraiment l'air. Je ne sais pas. T'as un petit peu l'air d'un con quand même. Je pourrais passer mais non par la porte. Ah, tut. Bon. Ok. Ah bah oui, je passe. Wouhou, c'est magique. Magique. Un bocal à poisson. Je sais pas. Comment je le remets? Et comment tu l'as eu? C'est quoi ce truc? Mais je l'ai fait le bocal et après je voulais mettre le poisson dedans et puis non. Ah merde. Ça fait un peu le mec qui... Ouais bah voilà, j'ai voulu mettre le poisson dans le bocal mais je sais pas comment j'ai fait, c'est moi qui suis dedans. Mais trop quoi. Ouais, mais comment je l'enlève, c'est relou quoi. Casse-toi. Ok, donc maintenant tu es un bocal. Je suis un bocal. On sent un bocal. On sent mieux. Bah écoute, je vais justement faire un prélèvement d'urine, est-ce que tu peux venir s'il vous plaît? Que je puisse... Oh mon dieu. Vous allez faire quoi? Je me stérilise. C'est pour le médecin en fait. Bon. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est con. Faites quoi en fait les mecs là?
Pas un chibi, un... Mais non, mais en fait, j'ai Titi et Glenn qui font des trucs bizarres, en fait. Je crois qu'ils tentent de communiquer par un système de porte, là. Ah merde, j'ai eu un bug et puis il y a eu tant de choses. Ah, je peux te demander en mari. Titi. Ah putain, j'ai plus Glenn de fait encore des conneries. Putain, c'est quoi ça? Et oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais en plus t'as un truc bizarre sur le dos, Glenn, hein. Je sais que je vais pas t'embêter, mais... Oh non, tu m'embêtes. Hé, ta femme est dehors. Et alors? Libérée, délivrée. J'ai envie de lui faire la blague, hein, tu vas faire suivez-moi, tu vas l'emmener, mais à Biou, tu vois. Oh non. Ça serait horrible. Mais non, je vais pas faire ça, je suis trop gentille. Vous ne pouvez pas contrôler le conjoint d'un autre joueur. Non. Ah, et toc. T'as vu comment il a essayé de me la voler? Bah, je voulais voir, de toute façon. Ouais. Eh mais elle est vénale à ta meuf, je suis fin, je lui demande, je vais bavarder avec elle, elle me dit, avez-vous des émeraudes pendant que vous miniez? Elle me fait tellement, oh il est beau ton fils. T'es célibataire. Mon amour. Hein? Oui, je suis une cougar, hein, moi tu sais bien. Merde, elle a dit ça. Hé, hey, t'es mignon toi, t'es où gamin? Gamin, reviens, c'était pour rire. Ah, il est là. Viens me faire un câlin. Eh mais il est devenu adulte. Viens faire un câlin, tata jeudi. Ouais, il est adulte là. Et perspicacité. Je suis occupé, papa. Roxa l'enfant quand je fais un clic droit. Je veux vraiment venir la prochaine fois, s'il te plaît. Non. Ouais, c'est bon, il est grand. Mais il est marqué l'enfant au-dessus, tu vois, l'enfant. Encore au-dessus. Ah bon? Et moi là, il y a marqué Dreams. Oh, t'es super mignon, toi. Tu sais que tu, bah, tu, sais que tu me plais. Ça va avec mon fils là et. Moi, t'es jaloux, tu veux un câlin aussi. Non. Oui, surtout qu'elle peut marcher. Qu'est-ce que tu fais, la Glenn? Tu es une tortue sur le dos. Quoi? Non, mais ça va fonctionner plus là maintenant. Surtout qu'il récupère de la vie, donc bon. Vas-y, vas-y. Saute moi. Je fais pas diffuser ça sur YouTube. Two girl one creeper. Oh, you touch my tr- avec moi avec mes gants et ma grosse hache là, le truc mais trop. Moi mes gants et ma grosse hache. Il est complètement à la plaque, hein. L'autre ou ça, hein, il comprend pas. Oh non. Oh, regarde Titi. Oh merde. T'en veux? Mais c'est quoi ça, cette chanson? Vas-y, mets-la moi. Je filme au cas où. Ouais, merci. Oh, c'est de l'herbe. Bon, oh. Je me garde en deux. Ouais, de l'herbe. Pour ma consommation personnelle. Ouais, merci, man. Merci, man. Vas-y, passe, on... fais la passe. On deal ici, on deal. Attends, fais gaffe, passe. Y'a le garde là, fais gaffe, y'a le keuf. Attends, j'ai du balancé des. Oh. Oh, mais oh! Mais comme il balance les yeux sur les gardes! Oh, mais tu t'es cru où? Hé! Hey oh, fils de ta mère! Oh, fils de ta mère! Tu vas voir! Aïe, elle fait mal ton épée! Mais qu'est-ce que tu crois? Elle fend les culs! Tu as une deuxième fente, mon pote! Tu me prends un gros vide. Bah non, parce que toi, tu ne manges pas de poulet. Y'a que des rats qui pop chez toi. Des cafards. Arrête, je vais mourir! Tantôt, où ça? Tantôt. Des rats! Des rats! Oh mon dieu, c'est quoi ce bruit? C'est complètement psychopathe avec son épée là!
Elle fait peur, quoi. Là, elle fait peur. Ah, mais ça y est, fait le bruit de cochon maintenant. Elle est possédée. Chat qui miaule. Mais je sais même pas où il est, le chat. Il est au-dessus, ton rat. Il est pas chez toi, il est au-dessus de ta maison. Le chat? Ouais, ouais. Il se baladait au-dessus. Il se baladait au-dessus et je sais vraiment pas comment il est parti, je te jure. Il a quand même pas glitché. Premier juré, je te jure qu'on n'a rien fait quoi, cette fois-ci, c'était pas nous. J'ai envie de tester un truc. Glenn, viens un peu. Glenn, viens. Non, ça va. Demande à Victime une fois, s'il te plaît. Le chat, il est totalement taré. Il fait Eh mais y a mais ton chat. Mais j'ai dit la petite tête, tu vas me faire une bague. Ah oui, t'es une abeille. La cerise sur le gâteau. Il est en mouche. Okay. Oui, il est en mouche. Oui, j'ai pas dit que j'ai mal sous-entendu que j'étais sur un gâteau. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Comment elle essaye de l'étrangler quoi, c'est... Mais non, mais c'est ce con. Mais si. Il est déjà moi c'est taré là, faire non 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 non. Putain, je l'ai perdu. Il est où ce con? Il est où? C'est ça vient d'où ça? C'est chez Didi ça quoi. Il est où? Il est où? Merde. Il est mort à mon avis, je dis. Mais c'est chez Didi ou chez moi le bruit du chat? C'est chez Didi. Je te promets, Louga il est en train de dormir. On dirait trop le chat. Chez Didi. Je vous assure, nous gadore. Oh putain, on dirait trop ton chat, Titi. Je promets, j'ai eu peur. Il est là. Oh mon dieu. Oh ma fille, il va crever. Il va crever, le chat. Mon pote. Ah, il est mais il est con. Mais putain, mais il était con comme un balai, hein, bordel. Allez, viens là. Oh là, mais quel casse-couille. Mais... c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, les gars, arrêtez, c'est pas drôle! Mais qu'est-ce que. J'ai ri enfin, moi! Avec les pattes comme ça, on aurait dit un lapin à roulette, quoi! Attends, l'éléphant! L'éléphant, il a toujours peur de la soupe! Allez, viens! Est-ce qu'il me suit? Je sais même pas si j'ai le fil sur lui. C'était quoi ça? Oh merde, mais! Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Non, mais... Oh mon dieu, allez. Allez, c'est bon. Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que. Mon dieu, il a tissigué par le chat. T'es sûr qu'il Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait le chat? Ne regardez pas. Ne regardez pas. J'ai pas l'impression qu'il ne laisse pas. Oh, ne regardez pas, pitié. Si franchement, ne rigole. Oui, voilà. il avoue. Bah, oh mon dieu. Ah, voilà. Oh, mais arrêtez, il râle maintenant. Allez, viens là, du con. Viens là. Mais Titi, mais lâche-le. Mais quel con. Rends-moi mon chat. Il s'enfuit avec le chat, il a trop aimé, quoi. C'était trop bon. Avec ton cheval, Glenn. On appelle ça de la zoophilie. Hein, Et je suis en dragon. Donc, Ceci est une alerte de zoophilie de niveau 12. Ceci n'est pas un exercice. Ayo de banjo. Non, on a vu, c'est ton épée, ça, en fait, que t'avais un bras. Non, c'est ma bille, Glenn. Il est où le b***? Les b***. Mais écoute, retourne-toi, tu vas voir. Donc voilà, je te laisse découvrir. Oh ma chérie! Oh puis! Oh là là, excellent! Et puis femme de Titi en dessous, attention! Hein. Oh, je suis content! Bah, clique dessus! Bienvenue dans ma maison, qui es-tu? Qui es-tu? Qui est ton mari? Tout va bien? D'accord? Je suis l'épouse de Titi! D'accord? Titi est une personne adorable, il est talentueux et courageux, c'est un ange. Il me rend très heureuse. Oh excellent, je t'adore. Non mais attends, tu vas même adorer. Tout va bien, pas trop.
J'étais très vilaine, j'ai fait une infidélité à mon adorable mari, j'ai eu une aventure avec Glenn. Quelqu'un, malheureusement, il a oublié son slip dans la chambre et je ne le retrouve pas. Peux-tu me le rapporter s'il te plaît? Oh non! Je dis pas que c'est une quête! Si c'est une quête! Tu l'as tué. Non, tu sais pas la tuer. Non mais toi! Moi j'aimerais bien juste... récupérer un petit peu de bois pour faire ce que je dois faire. Parce que j'aime bien brûler la femme de Tété. Non, je vais pas brûler la femme de Tété. Bah oui, mais il y a plein de bois. Regarde, regarde le, la maison de Tété. Hein. Elle ne s'appelle pas Yuxette Noir. Regarde la maison de Tété. Regarde la maison de Tété, il y a plein de bois. Excusez-moi, les gens, vous êtes témoins que je suis totalement victime dans cette affaire. Je confirme là, mais je confirme. Allons récupérer du bois chez Tété. Sinon, Leslie, comment est-ce qu'elle va? Comment est-ce que tu vas, Leslie? Oh, mais tu as plein de sang autour de toi. Oh, merde! En regardant, Leslie, vous voyez que ça... Prends des fraises, ça va aller mieux. Parce qu'il lui balance des fraises. J'ai besoin de paille pour que tu me fasses un tampon artificiel. Mais, Poussin, je filme, au cas où. D'accord. Moi, je vais essayer de faire quelques quêtes parce qu'il me faut absolument du quartz pour avancer sur mon hôtel. Mais tracasse, ça met de la vie. Ça met de la vie. Nous avons le chat Titi avec nous sur le serveur aussi, parce que Titi est un chat qui joue à Minecraft, bien sûr. Ok. Espèce de bip partout. Comment, quoi? Partout, passe le rail. Et attendez, je vais même faire un truc. Restez là, j'en ai pour 30 secondes. Il est en train d'essayer d'imiter Perforas. Ouais, je crois. Ciao. Je crois que pour ceux qui n'ont pas compris, oui. Alors. J'ai peur. Oh. Ah hop. Draken. Alors. Yep. Draken, c'est le nom de... Enfin, je vais me taire. Voilà. Et j'ai pas fini. Passe-partout. Alors. Ok. Passe-partout. On va faire passe-partout. Pourquoi tu le fais dans ton village? Parce que il faut déjà imaginer comment il sera. Alors. Attention, surprise, on ne peut pas voir. Voilà. Ouais, non, vous ne pouvez pas voir. Voilà. C'est interdit par les lois de Kiyoshi. Alors. On pourra t'avoir normal, c'est un peu perturbant. Ouais. Non. Mais si. Voilà, c'est mieux. Après, il nous fera la surprise. Oh mince, je me suis trompé. On ne veut pas savoir ce qu'il fait. Mais non, il faut pas regarder. Hein. Ah si, je regarde. Pas... Oh. Ah. Oh. Pour le rire de Glenn, les amis. Rien que ça, mais ça mérite. Mais franchement, si vous mettez un pouce bleu pour ça, mettez-le dans les commentaires. Je veux que Glenn puisse le voir. Ah, je continuerai, je... Juste pour que Glenn puisse le voir, quoi, parce que ça, c'est énorme. Oh là là. Et mais attends, les abonnés qui sont venus rencontre abonnés, là, ils t'entendent, là. T'as pas pété un mot durant les rencontres abonnés. Oh oui, ils vont pas comprendre. Ils vont dire, ils nous aiment pas, Glenn. Ils nous aiment pas. Non, Glenn est juste incroyablement timide. Glenn est juste incroyablement ouais, timide. Voilà. Regardez la preuve, regardez, il a les petites joues roses. Il est, regardez, il rougit tout là. Je regarde ce que c'est. Non, me regarde pas. Me cache derrière un poteau. En sneak, tu vois, tu te mets en sneak. Tu vois. En fait, ça va? Voilà, Courtenay est dans l'habitation que t'as faite. Donc le fermier, tu veux que ce soit sa femme Oui, hein, autant. Son mari. Voilà, quoi. Enfin, ouais, tu veux que le fermier soit sa femme avant de verser les rôles à toi. Chérie, tu veux faire l'homme ce soir? Comment puis-je t'aider? Mais écoute... J'allais dire une horreur, mais je... Ton pantalon et puis... Oh non, Glenn. Pardon. Viens, suis-moi. Mais attends, avec ce que tu viens de dire, le mec il avait plus envie de te suivre, hein, je peux le comprendre. Non, hein. il est peut-être pas. attends, Titi, tu vas sur scène, tu chantes, tu vas sur scène. Allez, on s'assied tous et on se moque de Titi maintenant. Allez, dégage, Glenn.
Allez, Coproglotte, assieds-toi. Assieds-toi. Attends, assieds-toi. J'ai cassé le gâteau. Eh, mais il m'a frappé. Moi, je... Non, moi, je... Mais attends, attendez, il faut prendre des tomates. Oh non, mais c'est horrible, oh, Glenn. Ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est immonde. C'est immonde, ça. Ça, c'est immonde. Je dirais même plus, c'est ignoble et c'est... intolérable. Bah, mais... Il faudrait le jeter dans la prison. Donc, c'est légal, son terracube, c'est bon. on le fait à deux ou comment que ça se passe? Bon, elle est pas très très. Non, mais voilà, elle est... tu l'intimides en fait, hein. Tu as un bel organe, il faut dire, donc du coup. Il va pas commencer à chanter, eh hey, oh, du calme. Allez, vas-y, chante. Tout l'or de Cortés et l'argent de Pissarro ne seront que fanaises. Danse! Poulero et feront grise mine. Comparé à l'or, l'or qui dort dans ses mines d'or. Des terres ont la trésor. Putain, hey, il me faut des tomates. Pioche, faut des tomates. On la roche à coup de pique. De pioche. En mille et une crépite. Seconde pierre de l'or. Mon cœur. Attention, mais non, mais là, tu sais, ça fait un peu celle qui fait la manche sur le serveur. Quelqu'un qui a foutu des tomates. Oh, voilà. Imagine le drame. Ces gentils hommes verront mon pouvoir qui recule et qui rayonne. J'ai un gros blanc. Non, ah, non, le mien, voilà le mien. Oh merde. Oh putain, il mais est même pas moi le j'ai mien. Pas. Mais même moi j'ai pas fait mieux. Il est beau le mien, non? Mais oui, mais moi je. Oh merde. Oh putain, non, je suis déconnectée. Non, reste, Glenn. Oh merde. Non. On dirait une mouette. Oh merde. Ça tient. Oh merde. Nas. Et l'autre qui met légendaire, là. Je ne sais pas si personne a déjà vu une chouette. Non, je suis désolée, mais moi, la mienne... Enfin, quand je vois tout ça, elle est très bien, la mienne. Voilà, la mienne, ça a l'air encore, mais on dirait... Voilà la mienne. Ah, toi, tu l'as fait de... Ah, ouais, d'accord. Ah, ben non, oui. Ben, ouais. Bah, elle a un peu une tête de psychopathe, mais... Un hibou, ils sont bêtes. Ah là là. Mon dieu. T'es pas du bon côté, Jody. Donc c'est vraiment une mouette. Hein. Quoi, c'est le tien? Oh merde. J'ai oublié de voter. On aurait dit une chauve-souris qui faisait du patin à roulette, la tienne. Il n'a pas réussi, je dis, je vais consoler. Vas-y, console-moi, putain. C'est Gab, je suis sûr que c'est Gab. Non, c'est Yux. C'est Yux. Non. Ah, tu m'as tué. Ah, quoi? Genre, je t'ai tué. J'ai des accusations. Non, c'est Gab! Putain! Ah! Oh putain, je me suis juste tourné en plus là. Ouais. Dreams, où es-tu? Dans ton cul. La violence de cette fille. Trop. Je pars avec tous les cadeaux, je m'en fiche. Non, tu laisses mes cadeaux. Tu es puni, Knut. Mais Oh, mais comme elle le tape. Oh, elle est en train de se taper dessus. Elle va me tuer. Gary, il a mis son bouclier. Il se protège. Il se protège de moi. Ok. Pars de la battus. Maison et ne reviens plus. Le bouclier des hommes battus. On voit qu'il porte la culotte hein, chez vous. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, moi, je suis plutôt caleçon, c'est vrai. Bon, allez.
Allez, on va. Mais on tu va portes se que tu là-haut. Veux, tu porterais même des trucs, c'est pas encore mon affaire. C'est vrai, c'est vrai. Je serais pas tout à fait pour. Ouais, pourquoi? Ce serait très cool, moi je trouve. Très pas cool, sérieux? Ouais, ouais. Non, mais oh. Moi, je trouve ça tellement dégueulasse. Sur... Ah, bon, ouais, moi, je vois mon homme comme ça, je dis écoute, mon cœur, habille-toi quoi. Hello tout le monde, coucou les chouchous, coucou les loulous, comment vous allez tous? Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Un invité très spécial. Attention, il va arriver. Il va arriver à côté de moi. Bientôt. Ta-da! Bonjour, salut les sushis. Ici. Ici Knut Dreams. À voir après. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis une sorcière, je suis de passage. D'accord. Oh, est-ce que tu veux de l'aide? Ah, il y a un papillon, il monte devant nous. Urk. Mais enfin, mais elle a peur des papillons. Mais je n'ai pas compris. Merci beaucoup. Voilà. What? Mais pourquoi? C'était violent, Glenn. Que de violence. Glenn, t'avais compris. Mais non, il a pas dit. Ah, il faut couper. Mais non. Bon bah voilà, écoutez. Knut est mort. Tu es et les abonnés, ils vont rien comprendre. Il ne regardera plus jamais. Là. ils vont rien comprendre du tout. Ah oh, mais merde, j'ai envie de me déco quoi. Mais quoi? En fait, à la base, je pensais que Kata qui me tuerait. Justement, parce qu'elle me non, mais non, mais moi je dis. Écoutez, je vais d'abord aller voir le mari. Oui. Le vieux mari d'Elvira. Je sais pas si tu comprendras la référence du vieux mari, on va voir. Il s'amuse bien, on dirait. Alors. Ah oui, ça oui. Oh mon dieu. Quoi ton énigme? Oh purée. Alors, mon coup n'est pas fatal. Mais je fais parfois mal. Souvent, je suis dressée et sens bon la marée. Qui suis-je? J'ai quelques idées. Ah mon dieu. C'est... Je sais pas, je vois pas. Non, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. C'est une référence à une série qui passe sur YouTube et que je trouve géniale. Et... voilà. Je t'expliquerai, je te montrerai après si tu veux. D'accord. Non, je ne veux pas savoir la réponse. Merci, mais je peux t'aider. Vous saurez la voilà. Rendre deux parce on que va la rendre tous les deux, ouais. Alors du coup. Ah, il est là. Ah, le mec. C'est avec toi que la sorcière va tous les soirs, hein. Mais je... Non, mais... Moi, je ne ferai pas de remarques sur cette question non plus. Il y a beaucoup de questions qui se posent, j'ai vu la tête. C'est l'ogre. Voilà. Il fallait peut-être le faire plus petit, l'ogre. Oui. Non, mais bon, c'est pas la taille qui compte. Hein. C'est une question de chaleur humaine et d'amour. C'est ça. L'amour, c'est beau. Voilà, l'amour, c'est magnifique. C'est trop sale. Donc, aussi, Elvira, vous pouvez essayer de la battre. Enfin, lui frapper dessus, mais elle est hyper forte. Oui, elle est hyper forte. Bon, venez vraiment. Moi, je tape pas sur les femmes, sur des forces. Ah oui, mais tu saurais ce qu'elle ouais, dit. Ouais, mais par contre, Kata, elle n'hésite pas à te frapper dessus. Hein. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je me permets, parce qu'il ne me frappera jamais. Je te garantis que si tu savais ce qu'elle loot, là, tu verrais ça autrement. Ouais, j'imagine. Ah oui, c'est vrai. Elle loot beaucoup de choses. Parce que ta femme ne loot rien, que tu n'attaques pas, en fait. Ah. Voilà.